C'est ça que fait jodi a moi recevoir yon moun qui bon droit prend là nous pour faire un petit causer. Donc il s'agit de Hugues Rénal Lubin qui à côté qui vient faire nous part de en production qu'il mettait en œuvre, qu'il mettait à la disposition nous, mais il passait par canal écran marabout pour faire connaître. Et c'est comme ça m'a recevoir m'a dit Rénal, bonsoir. Bonsoir, mon cher, c'est un plaisir pour moi pour m'avoir aujourd'hui. Mon cher, plaisir à me partager l'ensemble avec vous, parce que c'est comme ça nous y est, bon, ici, à notre âge, tout jeune, tout le monde qui a fait bon bagaille, nous promouvoir, nous encourager. Et naturellement, dans ce qui parle de la fête, vous avez déjà dit quelques bagailles déjà. Mais ou même personnellement, nous avons dit public, le monde entier qui a gardé là, qui moun qui Hugues Rénal Lubin. Mon cher, juste avant de commencer, et on a profité de remercier toute sa télévision, hein, toute sa technique télévision. Hein. La remercie en particulier. Okay. Et on a dit, appel. Et nous sommes habitués dans la télévision, nous venons là déjà. Et on a dit, moun Boston en particulier, fanatique, moun qui dit nous merci. Boston, merci. Appel, on a habitué à recevoir de yo. Et moun not. Tout New York, Canada, Miami, Haïti spécialement, n'a dit au merci, n'a dit au Kembela, pas la guerre. Et n'a profité de mon pas j'aime trop ta bonne dio, bonne année. C'est ça. Et surtout mon combattant à Haïti, n'a dit au bon courage, bagaille ou bagaille, comme ça, faut que je change. Bon, merci. Donc, après ça, après salutation, hein, mais mon qui a droit de là, qui mon lié? Bon, moi c'est exactement Hugues Rénal Lubin. Avant tout, je suis un informaticien et moi, je suis un filmmaker. Un filmmaker? Et nous réalisons, non seulement nous sommes un filmmaker, nous avons une compagnie de production de films en Haïti qui est Digital Plus 3000, vidéo production. Nous avons profité de saluer toute l'équipe Digital Plus 3000 qui est de nous en Haïti. Okay. Et nous réalisons, actuellement, nous travaillons sur Merci Dieu qui est presque fini, qui sont une très belle réalisation que nous avons shooté à Haïti. Nous avons un centre de chimie, c'est un film qui est supposé sortir ici dans le mois de mars. Okay. Et actuellement, là tout, et d'ici 14 à 15 février, nous sommes supposés commencer à shooter un film du côté de New York. Ok. Cela veut dire que ce n'est pas au monde qui te fait quelque chose qui met là, ou c'est au monde qui toujours en action. Oh non, toujours au travail. Toujours au travail. Ou toujours en action. Mais alors, vous avez fait un petit cadeau là, premier sur longé ben moi, c'est un petit album. Qui de Gavini, mais moi avant goût qui parlait de Port-au-Prince, la ville des tentes. Ensuite, il a dit, est-ce que c'est vrai? Mais en même temps, vous parlez de un documentaire qui parlait de Haïti après 12 janvier. Qui s'est réalisé? Qui s'est fait? Documentaire, ça, combien de temps a duré? Combien de temps duré? Et documentaire là normalement duré 45 minutes. 45 minutes. Uh-huh. Et son documentaire la forme d'un qui est très sensible pour Haïti. Et Haïti dans cœur moi. Et après tout texte moi ni les m'a écrit ni les dans poésie parce que je poète tout. C'est de ça que me ba c'est poésie que lié. Mais son série de textes qui soit disant engagé mais qui définit situation sociale mon yo gens y a vivre en bas. OK. C'est dans même ligne non? Si nous apprenons pour cette ville d'être là, c'est dans la même ligne, non? Documentaire à monter tout. Okay. Haïti, après 12 janvier, qui s'est réglé. Nous devons là, on a parlé de lui déjà. Et le documentaire là, il est sorti déjà, qui s'allie. Il explique la situation sociale, la situation de gens en bas. Et jusqu'à présent, après 2 ans, il y a des coteaux passés en bas pour le prince. Nous n'avons vivre, pas caché d'île dans des conditions vraiment extrêmes. Donc, cela veut dire que. Ou pas seulement parler de lui, ou montrer le. Oui, exactement. La vie a accru. Exactement. Non seulement nous allons nous filmer. Et où est-ce que nous vivons? Parce que donc, il y a des gens qui peuvent acheter ce documentaire-là, ils comprennent que ce documentaire-là, le fait que 12 janvier était passé, c'était terrible. Il y a des gens qui peuvent regarder l'image et ceci. Ce n'est pas l'image seulement. Il y a un petit rappel de 12 janvier, parce que ce sont des événements que nous ne pouvons pas oublier, nous ne pouvons jamais oublier, pour qu'on ne s'est passé, qui ont une historique de quelqu'un bon en mémoire. Petite, nous avons fini par connaître ce qui s'est passé. Mais tout nous posait des questions, nous direct à mon lieu, côté que nous demandons. Comment ils vivent, comment ils vivent et ils répondent. Ok. Et ils répondent et documentaire là, c'est un documentaire que nous encourageons
C'est un documentaire que nous encourageons tout le monde à acheter. Dans le sens que nous ne pouvons pas vendre directement à la forme tout douce en passant. Nous ne pouvons pas pour nous pas prendre une situation infrahumaine que nous avons vécu là pour nous faire l'argent, mais non. Nous avons fait l'ambu que pour nous organiser, nous, pour nous supporter une série de timounes à travers une organisation Haïti. Mon cher, pas quoi comme ça. Il n'y a rien que l'information. Par exemple, quand pile fois il y a des bagages qui arrivent, ce n'est pas ignorance. Les gens sont informés, ils sont capables de protéger la tête. Ça grave en pile. L'autre, de, par exemple, on bagaille rivo, c'est parce qu'on ne connaît pas ça, on a fait plus bien. Exactement. Parce que moi-même, personnellement, je dois dire que ça conduit pour moi, mais en pile, mon ici, dans l'affaire au niveau légal, je viens dans le tribunal, aller dans l'immigration avec eux, etc., etc. Mais on consacre, c'est les bagailles la plus mal, ils ne peuvent pas sortir, c'est les ça vient de côté. Ils ne pas jamais, c'est toujours qu'on l'autre, vous dit, oh, tu arrives au conseil, aïe, ouais, Père Van. C'est toujours que comme si je me disais que je suis un réparateur de vieilles chaudières écrasées, des bouteilles écrasées. Oh, des vieilles chaudières qui bénissent quand même. Bon, non, mais pour qui ça, nous avons pas de chercher vraie information pour connaître qui chemin pour le passer. Alors, c'est là que nous avons dit que le documentaire là, son documentaire information. Nous avons dit que c'est information. Et côté que nous avons parlé, j'ai vu. Nous avons parlé, j'ai vu. Nous avons vu. Nous avons bâché de masse, parlé, j'ai vu. Moun Léogan pas les gens à vivre d'où c'est on tourné nous t'a dit tout côté documentaire là t'est frappé et nous t'est passé là-dedans c'est ça. Eh bien mon cher Hugues, bien content et moi gagne pour tout le monde qui a suivre yo capable ouais si et nous t'a capable dire ouais font râler là Noël pour nous habituer avec couverture, puis nous pas nous photocopier de yon, parce qu'il a fait bootleg là. Parce qu'on va être tellement commun. Ça, il a parlé, mais comment nous présenter. Ok? Mais comment nous présenter. Toutes les fois, Christina Aldeyel, pour nous capables de jeunes informations. Donc, M. Tho, bonne chance. M. Tho, tout que travail ça, son travail pour Kembe. Parce que même la Bible dit, peuple nous a pour périr à cause de l'ignorance. Pas manque de formation. Ouais. Mm-hmm. Donc cela veut dire que il y a plein de monde qui sauvé et si Haïti n'a état ça, c'est état d'ignorance là qui fait au monde. On nous a dit par exemple,